on se renie soi-même. On est arrivé à se renier soi-même dans un monde où tout nous demande d'être autre chose que ce qu'on est. On t'empêche d'être ce qui arrive, donc tu le caches. Tu ne le vois pas, tu ne le montres à personne. Mais c'est là. Tu es égoïste. Tu es violent. Tu as tous les attraits de l'être humain, avec toutes ses qualités et ses défauts. Mais les défauts, tu les mets sous le tapis. Les défauts que le monde dit, qui est pas bien. Donc tu as tendance à renier ce que tu es. Parce que tu es aussi cela. Ça, ça fait partie de toi. Parce que c'est facile de remarquer que nous avons tous cette envie d'être égoïste. Juste, il faut commencer par voir que nous sommes dans la compulsion. Cette compulsion qui vient du corps, cette envie de se satisfaire, c'est l'attrait même de l'ego. Parce qu'il y a là un élan, un réflexe pour se sentir bien. Donc on prend les choses qui nous passe par la main pour satisfaire le besoin qui est en demande. Et ce besoin est devenu très important. Très important. Et ça attise l'ego. Donc le bien-être, ce que moi veux, est devenu très important. Donc on veut absolument être satisfait et ne pas rester dans l'insatisfaction. Donc, ce manque de satisfaction, justement, c'est l'ego, l'égoïsme. Quand tu dis à quelqu'un, j'ai besoin de toi parce que je suis seul, je fais pitié, quand tu es là, je suis heureux. Mais ça, c'est l'égoïsme. Tu voudrais l'utiliser pour que tu puisses être bien. Mais on le renie, ça, en mettant tout ça sous un paquet cadeau, en disant « Je t'aime, chérie, viens avec moi, j'ai besoin de toi. » Mais tu n'es pas en train de lui dire que tu l'aimes. Tu es en train de lui dire de venir t'aimer. Ça aussi, c'est l'ego. Parce que là, tu embêtes les gens et tu voudrais qu'ils soient à ton service. Quand tu es pressé d'être satisfait, quand tu es pressé de dire ce que tu as dans la tête, tu n'écoutes plus personne. C'est l'égoïsme. Tu veux absolument accaparer la conversation. Tu veux absolument être présent, là, pour être vu. Pour être accepté, ça aussi c'est l'ego. Nous en avons tous, je dirais la plupart, très rare, parce que même le désir même, c'est la demande égocentrique. Tout ce que tu désires avoir, c'est pour qui ? C'est pour celui qui est dans l'insatisfaction et qui attend d'être récompensé par la promesse qu'il se donne. Ça aussi, c'est de l'égoïsme.
Mais est-ce qu'on est prêt à abandonner ça pour être intègre, pour être celui qui aime sans condition et qui ne demande pas à quelqu'un de venir le sauver de son état d'insatisfaction? L'enfant qui piétine des pieds, capricieux, qui veut absolument être satisfait, il apprend tôt à être égoïste. On lui dit « tu peux pas faire ça ». Donc on a tous compris que chacun d'entre nous, nous sommes cet état en demande et nous nous sommes donné le pouvoir de contrôler. On dit « si tu es gentil, tu auras un cadeau » parce que c'est ce que tu veux, un cadeau. Tu veux être satisfait, tu veux avoir quelque chose pour que tu puisses ne plus t'ennuyer. Ça, c'est de l'égoïsme. Mais on t'a utilisé en te disant, ben, si tu es gentil, tu auras un cadeau, au Père Noël te donnera un cadeau. Mais alors, il faut que tu sois à mon goût. Et tout ça, toute cette activité égocentrique, ça crée justement dans notre monde de la rivalité, de la souffrance. Parce qu'on s'abuse les uns des autres. On s'aime seulement à condition qu'il y ait quelque chose à gagner. Et ça, c'est de l'égoïsme. Un esprit qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui ne veut rien, absolument rien, il est en paix. Et lui, il peut fonctionner, il peut opérer d'une manière autre que ce que nous connaissons tous. Parce que la plupart, on vaque à ses occupations pour satisfaire qui? Ben, ce que moi demande. Nous vivons dans un monde égocentrique. Toutes ces activités de l'individualisme, ma maison, ma voiture, mon argent. Et on s'accroche à ça. On a peur que quelqu'un vienne le prendre. Ça, c'est une activité égocentrique. Donc, tout ce bien-être que l'on recherche, c'est à méditer pour savoir si on peut vivre autrement. Parce que nous avons une société basée sur ce besoin égocentrique qui demande toujours plus et plus et plus. Et puis jamais il y a de la satisfaction. Tant qu'il y a ce mouvement en demande, alors il n'y a que moi qui compte. Ce moi qui est aussi ma famille, mes enfants, mon pays. Tout ça, c'est de l'ego. C'est pour satisfaire le besoin collectif, le besoin égocentrique collectif. Tout le monde veut être bien loti, avoir une belle vie, un bien-être. On se fait les ongles, on va se faire des massages. Pourquoi? Se sentir bien, pour moi. Et moi se sens bien. Tout ça, c'est l'ego. C'est égocentrique, tout ça. C'est quand tu ne veux plus rien. Tu n'attends plus rien. C'est à ce moment-là qu'il y a une autre façon d'aborder les problèmes de la vie. Parce que le problème, c'est quoi? Manger, dormir et se vêtir. Après. De quoi as-tu besoin? Du dernier cri téléphone, si tu désires cela, si tu te promets de l'avoir. Il y a de l'ego là. Il y a une action égocentrique pour moi. Moi va être satisfait. Et quand moi est satisfait et que tu as cette chose, tu deviens
quelqu'un d'arrogant parce que, en fait, tu es au-dessus de l'autre. Tu t'es placé au-dessus de celui qui n'a pas. Donc, tu penses que la vie, c'est d'être au-dessus des autres. Et c'est ce que ça crée, ce sentiment égocentrique où on veut être satisfait, on veut du bien-être. Parce que toute la population entière cherche la même chose. Et tout le monde se bagarre pour l'avoir. Et quand tu te bagarres pour avoir tout ça, alors il y a de la souffrance. Toute la souffrance qui est fabriquée fait le monde que nous connaissons, toi et moi. Il y a des guerres. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut du pétrole. Parce que tout le monde veut ce qu'ils n'ont pas. La guerre économique. Tout ce que nous aimons aller acheter pour pouvoir nous sentir bien. Nous avons fait un monde égocentrique et où tout le monde vaque à ses occupations d'égocentrique. Moi, je veux être satisfait, je veux les choses qui me donnent du plaisir. Ce besoin d'être aimé t'empêche d'aimer. C'est ça l'intégrité, c'est de ne rien vouloir, de ne rien prendre qui soit donné à l'ego. Parce que tu vas utiliser tout ça dans ce monde à faire une arnaque relationnelle. En disant que je te donne le plaisir que tu veux, à condition que toi aussi, tu me donnes ce que je veux. Donc c'est devenu un jeu dans ce monde que de faire marcher ce centre égocentrique, ce centre en demande qui n'est jamais satisfait. Et tout le monde est là à attendre que cela se passe. Parce que la demande est dans l'attente, le désir est dans l'attente, dans l'espoir que les choses iront mieux, que je pourrai sortir de ce monde monotone où tout se répète pour être satisfait, pour avoir ce que j'aime. Là, il y a l'attrait égocentrique. Tu n'es pas vrai. Tu es cette chose qui est ton corps, issu de millions d'années, qui veut manger, boire, dormir, absolument. Il veut penser à sa survie. Et c'est devenu, dans chacun d'entre nous, notre centre égocentrique. C'est un fait. Nous ne pouvons pas y échapper, sauf que, en voyant la vie que tu mènes, tout ce qui se passe dans le monde, ton intelligence te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toute cette activité que nous faisons. Parce que tu peux bien voir toutes ces guerres, ces batailles, ces gens qui souffrent autour de toi. C'est à cause de cela. À cause de l'égoïsme qui est toujours en demande en chacun d'entre nous. C'est pour ça que toute cette activité, on doit le voir, on doit l'admettre, on doit le reconnaître. Parce qu'en ce moment, on t'a dit qu'il ne faut pas être comme ça. Donc tu le renies. Parce que l'autre, il va te donner ce que tu as besoin.
Donc tu le renies. Tu veux le garder comme ami pour qu'il puisse te donner ce que tu as besoin. Autrement, tu n'as rien. Et dans ce monde, c'est ce jeu qu'on joue. On joue à ça. Donc, ton ennemi devient quelque chose d'important. Et ton ennemi, ben, devient quelqu'un que tu dois fuir. Parce que lui, l'ennemi, il ne te donnera rien. Donc tu vas chercher dans celui avec qui tu peux manipuler. Et ça commence dès l'enfance. On manipule l'enfant. Oui, si tu es gentil, je te donnerai ça. Tu fais bien tes devoirs et tu auras ça. Pourquoi il doit faire ses devoirs? C'est parce que toi, tu ne veux pas que tu sois coincé avec lui tout le reste de ta vie. Il faut qu'il réussisse sa vie. Donc tu lui dis, il faut réussir. Maman ou papa ne veut pas te garder toute notre vie. Il faudra que tu te débrouilles. Tes besoins égocentriques, maman et papa, il ne faut pas croire qu'on va te donner ça toute ta vie. Tu vois, le monde est fait comme ça. Pour pouvoir se satisfaire de tous nos besoins de compulsion, de réflexe, qui fait que on a donné beaucoup d'importance à ce que moi est. Mais moi, ce centre en demande, est-ce qu'il est vraiment factuel? Qui existe? Cela, ou c'est ce que tu es toi? Ce que tu es toi a une autre allure. Quand tu ne demandes rien, tu ne veux rien, tu n'attends rien, automatiquement ton esprit est en paix. Et ça, c'est la vraie nature de l'être humain. Mais, comme nous sommes conditionnés dans ce monde à gagner quelque chose pour pouvoir être satisfait, alors on continue toujours de la même manière. Donc, l'humilité veut que tu puisses être rien de ce que les gens attendent de toi. Là, il y a une grande humilité. Et dans cette humilité, il y a l'accueil. Il y a un grand amour pour l'autre. Il n'y a pas une demande. Tu es présent à ce que tu es. Et ce que tu es, c'est une émergence d'amour. Où rien n'est attendu. Et à ce moment-là, si tout le monde aime, il n'y a plus personne qui a besoin d'être aimé. Mais c'est parce que dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de ceux qui aiment. On aime à condition que, à condition qu'il y ait quelque chose à gagner. Réfléchis bien parce que c'est quelque chose qu'on a tous envie de renier. Parce qu'on est comme ça. Et c'est pas grave. On est tous comme ça. Disons, pour la plupart, on est tous comme ça. Mais ce qui est grave, c'est de ne pas remarquer ça. Parce que si tu ne remarques pas ça, eh ben le monde va se perpétuer pareil. Tu vas faire en sorte que toutes les choses continuent de la même manière, avec de la souffrance. Il y aura d'arnaque dans les relations. Il n'y aura pas de sincérité, ni d'intégrité, ni d'humilité. Il y aura de l'arrogance. Parce que tout le monde cherche à avoir ce qui va le satisfaire en premier. Moi, avec mes besoins, mes envies, mes désirs. Et ça, tu te promets à toi-même de les avoir. Et qui c'est qui se les promet à soi-même? Ben, c'est le personnage que tu as fait exister. Ce personnage en demande, auquel tu t'es identifié, qui est
tout ce que ton corps est, demande. Et c'est aussi toute la mémoire que tu as héritée de la race humaine avant toi. Toutes les conclusions qui ont été faites. C'est le personnage qui veut perpétuer la même chose. Et là, on est en train de dire, est-ce qu'on peut arrêter cette activité pour être libre de toute cette demande qui détruit la planète, qui nous détruit les uns les autres, où on n'arrive plus à s'accueillir l'un l'autre tel qu'on est, parce qu'on regarde l'autre selon ce qu'on aimerait voir. S'il n'y a rien à gagner, alors l'autre, il est mis de côté. Il n'est pas accepté dans le milieu où je suis. Avec tous les plaisirs que j'ai, l'autre, il va être rejeté. Donc nous avons dans ce monde toute une catégorie de gens que nous aimons, entre guillemets, que nous voulons accueillir, et d'autres que nous ne voulons pas accueillir, parce qu'il ne sera pas au goût de ce que j'attends de lui. C'est pour ça qu'on dit que le monde là que nous avons, c'est un monde qui va à la décadence. Parce que nous cherchons à faire exister ce que moi veux. Et ce que moi veux, c'est la destruction. La destruction de la joie de vivre. La destruction de l'union. Parce qu'il y a de la rivalité quand on essaye de prendre chez l'autre ce qu'on a besoin pour soi. Il y a de la dépendance, il y a de l'esclavage. Tout ça, ça fait partie de l'ego. D'un sentiment égocentrique. Qui veut absolument vivre la vie qu'il aimerait avoir. Mais quand tu entends les oiseaux, quand tu regardes le ciel bleu, quand tu vois toute cette beauté autour de toi, tout ce sentiment égocentrique est balayé. Alors, reste avec cette beauté, parce que au fond de toi, quand il n'y a pas cette demande, c'est cette beauté qui existe. Ce reflet de ce que l'univers propose. De ce que la vie propose. La vie, elle propose de la joie d'être, d'être là. Quand tu n'as plus besoin de rien, quand tu n'as plus besoin de courir après ce que tu aimerais. Pour te satisfaire. Et à ce moment-là, tu n'es plus un danger pour personne. Les gens auront envie de t'aimer. Ils auront envie de rester à côté de toi parce que tu n'es pas celui qui va leur imposer son arrogance.